Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 26e épisode, et il se trouve que j'ai relancé la partie, et je suis revenu à une sauvegarde assez étrange. Comme vous pouvez le remarquer, je dois recommencer ce truc-là. Peut-être que je te rappelle les règles du jeu. Sauf Edine. que j'ai déjà eu Oh le trophée. ouais, je suis fier de toi. Du coup, c'est assez étrange. Genre, j'ai le trophée, mais je dois quand même refaire le concours. Donc, en soi, j'ai pas besoin de le faire, là. Je vais juste attendre. C'est long. En tout cas, j'espère que vous allez 30 bien, hein. secondes. Moi, ça va super. Ça fait une semaine que j'ai pas enregistré de vidéo, donc la suite de ce jeu. Je vous prépare peut-être un nouveau let's play, je sais pas encore. Allez, Je me c'est disais, il parti. ressemble un petit peu de Plus de loin 10 à secondes. Donald Renew. Enfin, souvent, j'ai l'impression de le voir en Owen. 5, Mais bon, 4, peut-être que je me fourvoie. 3, 2, 1. Ça, c'était bien essayé. Je crois que ton arc est cassé. Ben voyons. Note mon score. Je vais m'améliorer. Je le ferai plus tard. Attends. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Quoi? Non! Elle s'en fout. Bah alors vas-y, note mon nom. Ok. Calme-toi. Bon, finalement, on n'a pas de Bon, dialogue il différent. y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non. Mais j'avoue que ça serait marrant. C'est encore mieux que ça. Ah, t'en fais pas trop, Owen. Par contre, j'ai totalement oublié comment on joue. Hein. Au bout d'une semaine. Tiens, tiens. Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif. T'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Et maintenant, goûte-moi ça. Alors? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Rabat-joie. Tu veux que je mente? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et ça fait un an, elle et moi. Alors. Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Et ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi, la chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui est moi? Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se J'ai lève. trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ces nouvelles récemment? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord? Tu l'as dit aux autres? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui.
Il sait ce que Joël a fait. Hé. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Bien sûr. Ah, la fameuse scène de la Paris Games Week, celle qui a choqué tant de monde. Libère, allez. Ainsi, ils pourront connaître. Non. Yara. Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. Lève!
Faites gaffe. Ça m'a tout marré quand même. Ah bah voilà. Toi au moins t'as un truc. C'est dur hein. On n'imagine pas à quel point. Trop dur. Trop dur ce jeu. Ok. Allez, on doit partir d'ici. Vous allez où comme ça? Ah, je croyais que tu me donnais la torche. Je sais pas. Faut y aller. Maintenant. La côte, c'est par ici. Putain. T'es sûr que c'est par là? T'as pas l'air très sûr de toi, hein. C'est pas facile. Oh la vache. Elle met de ses patates. Vous allez bien? Ah ouais, en fait j'ai... Ouais. J'ai une barre en dessous. Faut partir avant que d'autres n'arrivent. Toutes les directions se ressemblent. T'es sûr que c'est par là? C'est forcément par là. J'ai une barre de coups de poing qui se recharge. Ah mais casse-toi. Oh la vache. Il met de chair hein. Là, une patate et on recommence toute la section. Non, mais en plus, je suis tout derrière, moi. Et Lev, il va pas avoir des flèches à l'infini. Hein. J'arrive pas à rentrer. Ils sont morts depuis peu. Il y a un autre chemin ? C'est le cas, on passerait pas par ici. Ok. C'est pas mal cet éclairage là, enfin cet éclairage, ce non-éclairage. Occupe-t'en, c'est toi. Qui est beaucoup plus stressant. Regarde ça, elle va t'arracher ça avec les dents. Tu vas pas être chaud. Allez-y. Je suis là. Oh, encore toi. C'est pas possible. Toi, tu sais que c'est pas beau de piquer le sac d'une dame. Oh la vache. Elle est forte, hein. Tiens, la même oreille. Ou peut-être pas la même du coup. Oh la vache. J'ai esquivé trop tôt. C'est pas facile les timings. Hein. Oh la vache. Bon. Eh, le jeu est devenu dur ou quoi? Je suis passé en difficile. Oh. En fait ça me fait rire parce que... Ah la vache. C'est devenu mode hardcore là. Par contre, je suis pas bien si le combat final se passe comme ça. Oh, ça, je pouvais pas l'esquiver. Hein. Oh, bah ça non plus, mais comment ça se fait? Là.
c'est compliqué. En fait, tu vois, c'est le problème. Ce système d'esquive et tout, ça marche bien dans Uncharted. Mais alors, je trouve que dans The Last of Us, c'est trop compliqué. Je sais pas à quel moment paraît. Oh mais ouais, mais deux coups à la suite aussi, frère. Et l'autre, il peut pas m'aider, là? Ah oh ouais, mais... Eh, je lui mets un coup dans les côtes, elle continue de frapper. Bon, on est à combien de morts, là, déjà? Peut-être. Y a pas de vie dans le coin, en plus. Et hop, c'était une feinte! Bon, ça va aller au bout d'un moment, non? C'est bon. Ça va, vous? Oui. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu la voix de Lev. Par contre, la meuf qui te dit attends alors qu'elle me charcute depuis... Depuis 25 jours là? Attends, c'était quoi que j'avais? Une machette? Oh, je préfère la machette en vrai. C'est beaucoup plus rapide. Pas l'air d'avoir grand chose à fouiller ici, je t'avoue. Alors on y va? La Rosas. C'est quoi? C'est un garage en fait. Allez-y. Ah, ça va? Je maîtrise la situation. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça, c'est de l'ancien monde. Qu'est-ce que c'est? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? Ouais, il a pas la lumière à tous les étages lui apparemment. Cadence de tir, stabilité, vitesse de rechargement... On va se les garder, pour l'instant c'est pas très intéressant ce qu'on nous propose. Attends. Oui c'est bon, j'ai bien rallumé mon micro. J'ai eu un petit peu peur. Par contre ouais, les deux petits gars là, enfin, les deux nouveaux personnages. Je dois s'affronter. Des séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement ça m'est égal. Ça vaut le coup hein. Se raser la tête, tu risques la peine de mort. Ouais, je disais, ils m'ont pas trop servi. Et puis en plus, le petit qui s'est rasé la tête là, bah clairement, il avait des flèches limitées. Donc je sais pas comment on aurait pu faire. Je peux monter ici, mais pour aller nulle part. C'est pas grave, on continue. Oh, mais c'est bien ça, y a plein de trucs à fouiller. Par contre. Je me demande où sommes-nous. Si on n'est pas loin de la base des Scars, là, ça va mal se mettre. Ah, un peu de vie. Ah non, mais la brute, c'était incroyable comment elle était forte. C'est le cas de le dire, elle résistait trop bien. Alors, Eddie, j'espère que tu vas bien. La trêve est terminée et nous avons demandé de rentrer pour recevoir de nouvelles affectations. J'ai envoyé deux troupes te chercher, mais sans succès. Si tu trouves ce mot, viens me retrouver. Ah, Matt. C'était peut-être un wolf. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Ça a l'air assez complexe. Cette ligne est fine entre qui est wolf, qui l'est pas. Intéressant. Ouais. Ah oui, très intéressant même. Ça, à mon avis, c'est scripté. C'est pour qu'on s'améliore... truc à coup sûr, puisque ça coûte que 20. Confession de cartouche incendiaire. Ça peut être bien, ouais. Cartouche incendiaire. Ouais. Et fais voir, ça se met où? C'est là-dedans. Moi, j'en ai pas. Donc, comme ça, c'est fait. Le choix est rapide. Allez, on va rejoindre les deux autres. Ah, non, il y a encore d'autres choses à fouiller avant. Sûrement des tiroirs vides. Oh, bien ça. Bien, bien, bien tout ça. Quoi? Plein?
Oh non. Et là, c'est bon. Voilà. Le truc qui sert à rien du tout. Mais histoire de dire que je l'ai ramassé. Ouais, je disais que le système d'esquive et de combat au corps à corps, ça marche trop bien avec Uncharted. Mais alors ici, ils l'ont poussé à un point tel que c'est hyper dur. En fait, parce que des fois, elle tape des esquives. Tu vois, j'aurais fait ça. Mais c'est pas le bon timing, du coup. Du coup, c'est très chaud. Est-ce que je peux ramasser les cartouches qui sont là-bas maintenant? Vu que j'en ai fabriqué des incendiaires. Non, même pas. Ouais, ça m'a pas l'air trop intéressant. On n'a pas de voiture dans tous les cas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Je crois que c'était un mini halter. Je me suis dit, Abby, elle va être contente si on lui prend un halter. Well, no. Bon. Il n'y a pas masse de trucs ici. Non. Ils sont très mystérieux quand même, ces deux petits-là. Hein. On va dire entre guillemets qu'ils m'ont sauvé. Mais est-ce qu'ils sont pour autant de mon côté? Maintenant, faut se méfier de même. Faut se méfier des personnes qu'on a sauvées nous-mêmes. Joël nous le dira jamais assez, ça. Ah. J'avais failli pas les voir. Ok. Je sais pas où ils sont passés. Ici. Ok. Elle a l'air de me dire qu'il faut fouiller ici avant de partir. Elle a bien raison. Donc c'est Yara et Lev. Ils sont... Je sais pas. Je sais pas quoi penser d'eux pour l'instant. En même temps, on vient de les rencontrer, mais... Tu vois ce que je veux dire. La fille a l'air sympa. Le petit, là, au crâne chauve, il a l'air... déjà plus jeune. Donc peut-être plus méfiant. Encore des cartouches incendiaires, mais ça va beaucoup me servir, alors. Ça va être le petit feu. Hop. Ok. On arrive bientôt sur la côte. Encore un peu. Mais on va où, nous? Parce que je vois encore un camion de la station télé, là. Ah ouais, c'est efficace. Ça marche plutôt bien, ce truc. C'est très bien, même. En fait, je pensais qu'avec le feu, ça allait juste les ralentir pour nous les ramener, mais en fait, non. Nickel. Ouais, c'est bon, j'ai cette arme la plus proche. En fait, c'est une arme qui, j'ai l'impression, pourrait tirer en rafale. Ah mais non, mais j'ai pas activé le mode rafale là-dessus, c'est pour ça. Voilà. Là, ça tire en rafale, je crois. Ouais, ça peut être intéressant. Par contre, on n'y voit rien du tout. Hein. Là, je vous conseille une fois de plus de regarder l'épisode dans le noir. Comment on se baisse ? C'est comme ça. J'ai cru entendre un démon, comme ils disent. Peut-être pas. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs à fouiller dans le coin, mais... Mais j'ai pas envie de trouver le bon chemin trop rapidement, on sait jamais. Si je passe à côté d'un truc assez prestigieux. Ah, mais c'est vrai qu'on a l'autre arme, là. Celui-ci, à mon avis, doit bien chicoter parce qu'il a qu'une balle à la fois. Je vais le garder. Je vais le garder au cas où pour de grandes occasions. Et on va remettre le silencieux. Il doit y avoir du monde là-dedans. Ok. On va essayer de se la faire entre guillemets discrètement. Mais si ça me surprend que ceux qui soient au sous-sol n'aient pas entendu... Oh putain. Qu'ils n'aient pas entendu le bruit qu'on faisait. Il est où? Là.
On peut la voir d'ici. De toute façon, il peut pas monter. Il peut ? Non, ça a l'air d'être bon. Attends, on n'a pas... Ouais, voilà. Un truc comme ça, là. C'est plus efficace, non ? Non ? Eh ben voilà ! On a nettoyé le terrain. C'est bien mieux. Comme ça, on prend pas de risques. Surtout avec celle qui est blessée. Je suis sûr que c'est par là. Quasiment sûr. T'es pas obligé de nous suivre. Tu veux que je vous abandonne tous les deux ici? Et si... Sortons d'ici, c'est tout. Et si quoi? And so what? Bon, c'est vrai que j'aurais pu lancer la dynamite en première intention. Mais bon... C'est comme ça, hein. On va pas réécrire l'histoire. Je suis pas vraiment en mode... il faut à tout prix que j'économise mes balles. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je referai le jeu de mon côté et là je ferai beaucoup plus attention. Peut-être que je le ferai en une difficulté plus élevée, parce que là je suis en normal. Ça pourrait être intéressant. On va sortir de ce bâtiment et puis je pense qu'on va s'arrêter ici. Ah, je sais pas trop. Est-ce qu'on continue? Parce que, en fait, le truc, c'est que je me dis, si on se retape une cinématique de 5 minutes, là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que ce 26e épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé celle-ci et à très très vite. Ciao.